Нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не вами. J'aurais aimé vivre avec vous dans une petite ville aux crépuscules éternels, aux éternelles cloches, et dans un petit hôtel de campagne, la sonnerie fine d'une pendule ancienne qui tombe comme des gouttes de temps. Et parfois, le soir, venant d'une mansarde, une flûte. Et à la fenêtre, le flûtiste lui-même, et de grosses tulipes dans les fenêtres. Et peut-être ne m'auriez-vous même pas aimé. En moi, tout a toujours coexisté, a été conjointement donné dès le départ, dès ma naissance, dès mon avant-naissance. Dès le germe de projet de ma mère qui voulait, avait décidé à un fils, Alexandre. C'est pour cela que je suis devenu poète et non pas poétesse. C'est pourquoi la chronologie ne convient pas. Mais elle est tout de même le bâton du pèlerin. De manière générale, on pourrait tirer de moi au moins 7 poètes, sans parler des prosateurs, de l'enfantement de la prose. Allant de la pensée la plus aride à la peinture la plus haute en couleur. C'est pourquoi je suis tout de même difficile à englober et à saisir en tant que tout. Pourtant, la clé est simple. Il suffit de croire, il suffit de comprendre ce qui est un miracle. Occupation préférée dès 4 ans, la lecture. Dès 5 ans, l'écriture. Tout ce que j'ai aimé, je l'ai aimé avant 7 ans. Les choses se vengent. Je n'ai jamais aimé ce qui est extérieur. Je tiens cela et de mon père et de ma mère. Le mépris des choses. Étrange jeu du hasard. Le hasard, c'est moi. Comprenez-moi, toute ma vie est négation de la vie, une façon de personnellement s'y soustraire, j'en suis absente. Aimer, c'est être instamment présent, s'incarner à l'extrême, ici. Qu'en ai-je à faire avec cette défiance, ce mépris pour ici? Le plaisir, le plus vif de ma vie,
a été d'aller seul et vite. Vite et seul. Mon grand galop solitaire. De manière générale, il y a une chose que je n'ai pas su faire. C'est vivre. Or, dans la mesure où vous arrangez la vie, moi, je n'ai jamais que dérangé toute vie. Oh, pas celle d'autrui, seulement la mienne avec l'autre. Pourtant, je savais aimer comme personne. Et personne ne s'en est aperçu. Personne, d'ailleurs, ne s'en apercevra plus. En amour, quel effort n'ai-je pas fait sur moi-même pour qu'on m'aime comme n'importe laquelle, c'est-à-dire de manière insensée, à la folie. Et y suis-je parvenu, même une seule fois? Non, pas une heure. Encore une chose. De nature, je suis très gai. Il s'agit peut-être d'autre chose, mais il n'y a pas d'autre mot. Il me suffisait de très peu pour être heureuse. Une table à moi, la santé des miens, n'importe quel temps, toute la liberté, tout. Et voilà, pour le gagner, ce malheureux bonheur, tant se démener. Plus que de la cruauté, il y a là-dedans de la bêtise. La vie doit se réjouir. Des gens heureux émanent le bonheur. Il émanait de moi, émanait très fort. De moi émanait la liberté. On savait tout à coup que si on se jetait par la fenêtre, on tomberait en haut. Les tentatives de mes amis me touchent et m'affectent. J'ai honte d'être encore en vie. Comment ça va pour vous avec une autre? Plus simple, pas un coup de rame. Comme une berge de moi, la mémoire s'était-elle vite éloignée? De moi, l'île flottante, non sur l'eau, mais dans le ciel. Âme, vous, âme, il vous sera donné d'être des sœurs. Jamais ne serez des amantes. Comment ça va pour vous avec la femme simple, sans les divinités, ayant détrôné votre souveraine, du trône descendu vous-même? Comment ça va les frissons, les soucis? Au lever, comment ça va-t-il? L'immortelle vulgarité, comment la dédouanez-vous, malheureux? Comment va votre article de foire? L'impôt est-il lourd à porter? Pour vous, après les marbres de Carrare, comment ça va la camelote de plâtre, Dieu sculpté dans la masse, mis en 1000 morceaux ensuite? Comment ça va avec la 100 000e pour vous qui connûtes Lilith? La nouveauté d'articles de bazar est-elle usée? Là de magie, comment ça va cette femme terrestre qui, elle, n'a pas de 6e sens? Sa tête dans les mains. Heureux? Non. Dans l'abîme sans profondeur, comment vas-tu, chérie? Espire ou pareil qu'avec l'autre pour moi? Откуда такая нежность? Не первые эти кудри разглаживаю, и губы знавала темней твоих. Всходи.
откуда такая нежность? Сходили и гасли очи у самых моих очей. Еще не такие гимны я слушала ночью темной. Венчая моя, о, нежность на самой груди певца. Откуда такая нежность и что с нею делать? Отрок лукавый певец, захожий с ресницами, нет длинней? Сходили и гасли звезды, откуда такая нежность? Сходили и гасли очи у самых моих очей. Écrivez, Vera. On n'a jamais le temps, mais il faut écrire. Car c'est le seul moment où on lui échappe au temps, le seul moyen pour qu'il en reste. Je ne suis moi que dans le rêve. Le reste est du hasard. Pourquoi les gens, les hommes, ne m'aimaient pas? Parce que je n'aimais pas les gens. Parce que je n'aimais pas les hommes. Parce que je n'aimais pas les hommes. Mais les âmes, pas les gens, mais autour, au-dessus, au-dessous, parce que je donnais trop. La raison de la peur, peur de se lier, parce que se lier avec un tel, sans façon, inconcevable. Se délier, inconcevable. Mais par ailleurs surmontable, parce que j'ai un nom, ce qui est prisé. Peur de ma langue acérée, de mon intelligence masculine, de ma vérité, de mon nom, de ma force, et semble-t-il plus que tout, de mon intrépidité. Et le plus simple, je ne plaisais pas, tout simplement, en tant que femme. C'est-à-dire, je plaisais peu, car de cette femme, il y avait peu. Nous vivons en suspens. Dans mes rêves, jusqu'à présent, je vole. Mais c'est une autre histoire. La conscience détermine l'être. N'oublie jamais que chaque instant de la vie, tu es à l'extrême limite du temps. Et qu'à chaque point du globe, place que tes deux pieds occupent, tu es aux dernières limites de l'horizon. C'est toi l'extrême limite du temps. C'est toi l'extrême limite de l'horizon. Mieux, c'est toi l'extrême limite du temps. C'est toi les confins de l'horizon. Мимо меня к дням моим и сомнительным чарам. Если б знали вы, сколько огня, сколько жизни растраченной даром, и какой героический пыл на случайную тень и на шорох, и как сердце мне испепелил этот даром истраченный порох.
летящие в ночь поезда, уносящие сон на вокзале. Впрочем, знаю я, что и тогда не узнали бы вы, если б знали, почему мои речи резки, в вечном дыме моей папиросы, сколько темной и грозной тоски. В голове моей светловолосой. Сколько темной и грозной тоски в голове моей светловолосой. Ne m'attribuez jamais ce qui est notoirement incapable de brûler. Car même la glace brûle, même l'impassibilité brûle, tout absolu brûle. Je ne suis pas faite pour la vie, en effet, en moi, tout est incendie. Je peux mener 10 relations, bonnes relations à la fois, et soutenir à chacun du très fond de mon être qu'il est le seul et unique. De sa part, cependant, je ne supporte pas la moindre tentative de me quitter des yeux. J'ai mal, vous comprenez? Je suis une personne écorchée, alors que vous portez tous une armure. Tous, vous avez l'art, la vie en société, les amitiés, les distractions, la famille, le devoir. Moi, au fond, je n'ai rien. Tout tombe comme une peau, et sous la peau, il y a la chair à vif ou le feu. Je suis psyché. Aucune forme ne me convient, même pas celle très vaste de mes vers. Je ne peux vivre. Rien ne ressemble à rien. Je ne peux vivre qu'en rêve. Oh, tout le temps, mourir à cause de tout. Mon cher ami, rassemblez tout votre courage à deux mains et écoutez-moi. Quelque chose est fini. Maintenant, le plus dur étant fait, écoutez la suite. J'en aime un autre. On ne peut pas dire plus simple, brutal et plus juste. Ai-je cessé de vous aimer? Non. Vous n'avez pas changé, je n'ai pas changé non plus. Une seule chose a changé. Ma concentration névralgique sur vous. Vous n'avez pas cessé d'exister pour moi, j'ai cessé d'exister en vous. Mon heure avec vous s'est achevée, reste mon éternité avec vous. Oh, attardez-vous un peu là-dessus. En dehors des passions, il y a encore l'immensité. C'est dans l'immensité qu'a lieu désormais notre rencontre. Oh, la chaleur est toujours là. Ayant cessé d'être mon malheur, vous n'avez pas cessé d'être mon souci. La vie est trop passionnée. De ma relation avec vous s'en est allée la vie, l'urgence. Mon amour pour vous, il existe bien et existera, est serein. L'inquiétude viendra de vous, de votre douleur. Or, cela n'a pas tant d'importance entre gens authentiques. Qui a mal ? Vous êtes mon tout petit et votre douleur est la mienne. Vous voyez, je ne vous écris pas du tout ce que j'avais décidé. Comment cela s'est produit? Oh mon ami, comment cela se produit-il? Je m'élançais, l'autre a répondu,
J'ai entendu de grands mots, tels qu'il n'en est pas de plus simple, mots que j'entends peut-être pour la première fois de ma vie. Une liaison ? Je ne sais pas. Je suis lié aussi par les vents dans les branches. Des mains aux lèvres. Où est la limite ? Y a-t-il d'ailleurs une limite ? Trop courts sont les chemins terrestres. Quand ressortira-t-il ? Je ne sais pas. Je sais. Une grande douleur. Je vais au-devant de la souffrance. Maintenant, l'essentiel. Si vous ne pouvez pas sans moi, prenez mon amitié. Mes mains attentives et délicates, je ne les retire pas, même si elles ne se tendent pas vers vous. L'attirance est une espèce d'infirmité. L'infirmité est passée. La maladie est passée. Voyons, soyons justes. Le trouble féminin est passé. Mon ami, je ne vous console pas. Je me consterne moi-même. Je ne sais vivre et aimer ici. Peut-être ne me répondrez-vous pas du tout. Peut-être vous sera-t-il plus facile de laisser cicatriser en silence. J'ai perdu tout droit sur vous. Vous les conservez tous sauf un, moi. Aimez ou bien oubliez, écrivez ou bien brûlez tout en même temps que cette lettre. Je vous laisse toutes les issues. En ce moment, je ne suis pas en droit de penser à moi-même. Ne partez pas en Russie, et que je sache toujours où vous êtes. Encore une chose, si tout cela n'est pas le fait du hasard, le sort frappera encore. Je n'ose vous en dire plus. Et si tout est fini, pour tout, merci. Хочу у зеркала к тьмуть и сон туманящий. Я выпытать, куда вам путь и где пристанище. Я вижу мачта корабля, и вы на палубе. Вы в дыме поезда, поля в вечерней жалобе. Вечерние поля в росе, над ними вороны. Благословляю вас на все четыре стороны. Je m'en irai sans dire « j'ai été », sans chercher les coupables, sans regret. Il est au monde des choses plus graves qu'exploits d'amour, que passion d'orage. Toi qui frappais de l'aile à ma poitrine, jeune fauteur de tout ce qui m'inspire, je t'en donnerai l'ordre et tu seras, sans refuser d'autant de t'obéir. Moi, tout le monde me trouve courageuse. Je ne connais personne de plus craintif que moi. J'ai peur de tout,
des yeux, du noir, des pas, et plus que tout, de moi-même, de ma tête, si c'est bien elle qui m'a servi avec un tel dévouement dans mon cahier et démoli à ce point dans la vie. Personne ne voit, ne sait, que depuis un an déjà environ, je cherche des yeux, un crochet. Mais il n'y en a pas parce qu'il y a l'électricité partout. Pas un seul lustre. Il y a un an que je prends mesure de la mort. Tout est laid et terrible. Avalé, dégoûtant. Hostilité à sauter. Immémoriale répulsion pour l'eau. Je ne veux pas effrayer de manière posthume. Il me semble que j'ai déjà de manière posthume peur de moi-même. Je ne veux pas mourir. Je veux ne pas être. Mais Seigneur, je peux si peu, si rien. Finir sa vie, finir sa bouchée d'amère absinthe, que de vers éviter. Je note rien. Fini avec ça. С большой нежностью, потому что скоро уйду от всех. Я все раздумываю, кому достанется волчий мех, кому разнеживающий плед и тонкая трость с борзой, кому серебряный мой браслет, осыпанный бирюзой. И все записки, и все цветы, которых хранить не в мочь. Последняя рифма моя, и ты последняя моя ночь. Последняя рифма моя, и ты последняя моя ночь. Je n'ai rien d'autre dans ma vie que le travail. Mais finalement, on n'a besoin de rien d'autre. La possibilité de travailler. Retirez-moi l'écriture, je ne vivrai plus, tout simplement. Je n'aurai plus envie. Je ne pourrai plus. La vie m'accule de plus en plus profondément vers l'intérieur. Je m'entends mal avec l'immigration russe, car je ne lui appartiens pas. Je ne vis que dans mes cahiers et mes dettes. Et si de temps à autre, ma voix se fait entendre, c'est toujours la vérité sans aucun calcul. Je suis absolument seul et dans la vie et dans le travail. Comme dans toutes les écoles de mon enfance. À l'étranger, la russe. En Russie, l'étrangère. Avec beaucoup d'amis que je n'ai jamais vus et ne verrai jamais. Absolument seul avec ma voix. Dans l'émigration,
Tout relève des partis. Moi, je n'appartiens à aucun. Pour tout dire, j'ai toujours été étrangère, toute ma vie, à tout cercle, parmi les politiques comme parmi les poètes. Mon cercle, le cercle de l'univers, celui de l'âme, c'est la même chose. Et le cercle de l'homme, de son humaine solitude, de son isolement. Ainsi, je suis ici sans lecteur et en Russie sans livre. Tsvetaeva est trop faible pour l'émigration. Je pense que l'émigration, malgré toute sa fatuité, ne s'attendait pas à un tel compliment. Qui est trop faible pour elle ? Personne. Tout le monde est bon, tout le monde est juste à niveau. De Bounine au prince Kassatkine Rostovski, qui depuis 2 décennies bientôt fait rimer wagon et galon. Le jour de mon 40e anniversaire, j'écrirai sur mes tablettes 40 ans de noblesse. Je vis très mal. Nous sommes entassés à 4 dans la même pièce. Je ne peux absolument pas écrire. Je songe avec amertume au fait que le plus médiocre des feuilletonistes, qui ne sait même pas ce qu'il écrit, a une table pour écrire et 2 heures de silence à lui. Moi, je n'ai pas cela. Ici, beaucoup de gens, de visages, de rencontres, mais tout en surface, sans se toucher. Vivre me déplaît souverainement. Ici, je suis inutile. Là-bas, impossible. Autour, c'est le vide. Mon cercle de vide, éternel, depuis la petite enfance. Paris ? Je ne sais pas. Qui suis-je pour parler d'une ville pareille ? C'est ennuyeux avec les Français. Ou peut-être avec les hommes de lettres français. Ou encore parisiens. Si j'étais un Français, je miserais sur le paysan breton. Conversation sur Balzac, Proust, Flaubert, ils savent tout, comprennent tout, et ne peuvent rien. Le dernier qui pouvait et qui n'en pouvait plus, c'est Proust. Lorsqu'à une quelconque réunion littéraire française, j'entends tous les noms sauf celui de Proust, je dis dans un étonnement innocent « Et Proust ?» Mais Proust est mort. Nous parlons des vivants. C'est chaque fois comme si je tombais des nues. D'après quel indice établit-on que l'écrivain est vivant ou mort? Est-ce que vraiment X est vivant, contemporain et actif parce qu'il peut venir à cette réunion, alors que Marcel Proust, parce qu'il ne peut aller nulle part sur ses jambes, est mort? On ne peut juger ainsi que les coureurs. Dans 10 ans, je serai absolument seul au seuil de la vieillesse. Et j'aurai eu, du début à la fin, une vie de chien. Mal du pays, tocard ce mal, démasqué il y a longtemps. Il m'est parfaitement égal où me trouver parfaitement seul, sur quel pavé je traîne, cabas au bras jusque chez moi, vers la maison, plutôt caserne, qui ne sait pas qu'elle est à moi. Il m'est égal à qui paraître lion en cage, devant quels gens et de quel milieu humain être expulsé immanquablement en moi-même, dans l'isoloir du cœur. Mal vivre, qu'importe où, où m'avilir, moi, ours polaire, sans sa banquise, je m'en fous. Mon pays a si peu pris garde à moi que le plus fin limier sur mon âme
de long en large, ne verra rien de familier. Temple ou maison, vide, personne. Tout m'est égal, rien à parier. Mais si sur le chemin buissonne un arbre, et si c'est un sorbier, à Pasternak. Boris, je défendrai le droit de rester à l'écart. Pas dans sa chambre pour le travail d'écriture, mais dans le monde. Et je n'en démordrai pas. Tu me proposais de faire sans dire. Moi, je suis toujours pour le dire, qui est en lui-même un fer. Je suis un ferrailleur en la matière. Vous me dites les masses. Moi, je dis les individus qui souffrent. Si les masses sont en droit de s'affirmer, alors pourquoi donc l'individu ne le serait-il pas? En effet, les petites bêtes ne mangent pas les grandes. Et je ne parle pas des capitaux. Je suis en droit, ne vivant que maintenant, une seule fois, de ne pas savoir ce qu'est un kolkhoz, de même que les kolkhoz ne savent pas ce que je suis, moi. Égalité, en voilà de l'égalité. Maintenant, à l'heure des conclusions, je le vois, ma prétendue dureté n'était que forme, contour de l'essentiel, indispensable frontière de ma légitime défense à votre douceur, Rilke, Marcel Proust et Boris Pasternak. Car, à la dernière minute, vous lâchiez ma main pour me laisser, moi rayé depuis longtemps de la famille des hommes, en tête à tête avec mon humanité. J'étais un simple être humain parmi vous, les non-humains. Je ne vis pas pour écrire des vers, j'écris des vers pour vivre. Je n'écris pas parce que je sais, mais pour savoir. Tant que je n'écris pas à propos d'une chose, ne la regarde pas. Elle n'existe pas. Mon moyen de connaissance, l'énonciation. La connaissance immédiate jaillit de sous la plume. Mon échec littéraire extérieur provient de mon exclusion du cercle des gens de lettres. Mon échec intérieur provient, lui, de mon apparition en décalage, au moins 20 ans trop tôt. Effroyable solitude créatrice. Personne ne me ressemble et je ne ressemble à personne, donc me conseiller ceci ou cela n'a pas de sens. Dieu ne m'a donné une telle conscience de moi-même, une telle reconnaissance de moi-même, que parce qu'il savait qu'on ne me connaîtrait et ne me connaîtrait pas en tant que tel. Une chose, par contre, s'il existe un jugement dernier du Verbe, il m'y sera rendu justice. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, святилище, где сон и фимиам. Моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам. Моим стихам
написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Je ne vais tout de même pas partir en Russie, où ni une ni deux, gaiement, on va me coffrer. Moi, là-bas, je ne survivrai pas, car l'indignation est ma passion. Et il y a de quoi. Si demain, messieurs, vous entendez dire que j'ai déposé une demande pour la Russie soviétique, sachez que c'est à cause de vous, votre mauvaise volonté, votre mépris et votre je m'en foutisme. Chère Ariadna, nous partons et personne ne nous accompagne. Comme dit Moore, ni fleurs, ni couronne. Moi, avec mélancolie et brusquerie, je dis comme des chiens. Cela nous a été refusé. Mais tous mes amis proches savent et intérieurement nous accompagnent. Chère Anna Antonovna, j'écris dans ma main d'où écriture si enfantine. Avant de partir, selon la vieille coutume, nous nous sommes assis quelques minutes, Moore et moi, nous nous sommes signés devant la place vide de l'icône. Confiée en de bonnes mains, elle vivait et voyageait avec nous depuis 1918. Mais vient un jour où l'on se sépare de tout, tout à fait. Alors là, c'est une leçon pour n'éprouver ensuite ni peur, ni même étonnement. 17 ans de vie s'achèvent. Comme j'étais heureuse alors, mais la période la plus heureuse de ma vie aura été, souvenez-vous-en, Mokropsy et Vzenori, et aussi ma chère montagne. Je pars avec votre collier autour du cou, vos boutons sur mon manteau, à ma ceinture, votre boucle. Tout cela, modeste et follement aimé, je l'emporterai dans ma tombe, ou bien nous serons incinérés ensemble. Au revoir. Désormais, le plus dur est passé. Désormais, c'est le destin. Une fleur est accrochée à ma poitrine. Qui me l'a accrochée? Je ne sais plus. Ma faim est insatiable de tristesse, de passion, de mort. Par le violoncelle, le grincement des portes et le tintement des verres, et par le cliquetis des éperons et le cri des trains de nuit, par le coup tiré à la chasse, par le grelot des troïkas, vous m'appelez, vous que je n'aime pas. Il est pourtant un délice. J'attends celui qui le premier me comprendra enfin et tirera à bout portant. Pardon, Natacha,
la prochaine lettre d'une journée bien balisée ne sera plus mienne. Продолговаты и твердый аван черного платья раструбы. Юная бабушка, кто целовал ваши надменные губы? Руки, которые в залах дворца вальсы Шопена играли, по сторонам ледяного лица локоны в виде спирали. Темный и прямой, и взыскательный взгляд, взгляд к обороне готовый. Юные женщины так не глядят. Юная бабушка, кто вы? Сколько возможностей вы унесли, и невозможностей сколько в ненасытимую прорву земли 20-летняя полька. День был невинен, и ветер был свеж, темные звезды погасли. Бабушка, этот жестокий мятеж в сердце моем не от вас ли?